avec de nouveau la grande roue. La roue mystère. Alors la dernière fois, je ne sais pas si vous avez vu les amis, mais d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu la vidéo, on vous invite à cliquer sur le petit i en haut à droite. On avait fait quoi avec cette grande roue? On avait fait le Mystery Wheel of Slime Challenge. Bravo. Bravo Corentin. Donc en fait, on devait faire un slime avec différents ingrédients qui étaient sur une roue. Et quand on tombait sur un ingrédient, on devait l'introduire dans notre slime. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois, on va faire la version... hamburger. La version hamburger, parce qu'on a très faim. Donc le principe est le même. Donc on va avoir la grande roue qui n'est pas encore derrière vous, parce qu'on va, on utilise un fond vert. Alors un fond vert, c'est simple, c'est pour incruster des images derrière. En fait, la grande roue sera sur un ordinateur. Donc les enfants vont lancer la grande roue, et puis quand ce sera le moment du challenge, on vous la fera apparaître derrière vous. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ça ressemble un fond vert, bah regardez. 3, 2, 1, fond vert. 3, 2, 1, plus fond vert. Donc les amis, c'est simple, on aura 14 ingrédients sur cette grande roue. Donc on aura de la sauce barbecue, de la sauce burger, de la moutarde qui pique, des cornichons, de la tomate, des oignons, de la sauce mayo, du ketchup, de la salade, du bacon, du fromage à burger donc goût cheddar, du fromage à burger goût chèvre et du fromage à burger goût raclette et bien sûr deux steaks hachés. Et aussi, alors mes amis, on s'excuse d'avance parce que la dernière fois le fond vert n'était pas nickel, j'espère que cette fois-ci il sera mieux. Et si vous ne voyez pas apparaître la salade ou les cornichons ou autre, c'est normal parce que quand on fait un fond vert, ça prend pas quelle couleur? Le vert. Le vert. Et on ne peut pas peindre les cornichons en rouge. Donc les amis, désolé, encore une fois désolé, mais on essaye de faire du mieux qu'on peut. Alors les loulous, c'est simple, chacun votre tour, vous devrez lancer la grande roue, vous avez 10 essais chacun, d'accord? À chaque fois, bah, si vous tombez sur cornichons, vous mettez cornichons, moutarde, vous mettez moutarde, même si vous n'aimez pas. Alors, je vous rappelle, les amis, que les enfants n'aiment pas ni la moutarde qui pique. Moi, j'aime bien les oignons. J'aime bien les oignons. Ouais, mais pas trop. Et Océane ne les aime pas crus, normalement, les oignons. Là, ils sont crus. Avec la sauce émincière. Et Corentin a horreur des cornichons. Enfin, bon, il y a plein de choses que les enfants n'aiment pas forcément. Moi, ça, j'adore. On fait chier fourmi. Donc là, voilà. Donc, on va. Et juste petite condition aussi. Si vous tombez, si vous avez déjà un steak haché dans votre burger, on ne met pas de steak haché, on relance la roue. Voilà, tout à fait, t'as tout dit. Donc on commence ce challenge ou pas? Oui. Allez. Chifoumi. Ah, je vois pas moi, oh. Chifoumi. Chifoumi. Ah, c'est Corentin qui commence. Donc là, on va vous mettre la roue. Attention. Roue. Vas-y, tu peux lancer la roue. Top. J'espère que ça va. Pas de sauce. Oignon. Oh là là, mon chéri, ce que tu aimes le moins. Des oignons pour Corentin en jeu. Et bien sûr, je vous rappelle les loulous, que celui qui aura le burger le plus ressemblant, alors au minimum il faudra un steak à l'intérieur, et qui aura goûté, bien sûr, aura gagné ce challenge. C'est vous qui déciderez de toute manière dans les commentaires. Ma loulou, t'as pleuré, t'es triste. Et non. T'as un chagrin d'amour. T'as fini là. Allez, t'as mis un peu, hein, oh. Hein, t'en as mis combien? 4. 4, bon, waouh, c'est un... C'est un effort pour Corentin qui déteste vraiment les oignons. Donc Corentin, tu peux lancer la roue pour ta soeur parce que c'est un peu loin et puis de toute manière... Attention, c'est là. Mais tu sais, elle tombe sur... salade. Tomate. J'ai de la chance. Mais 4 tomates, ça ira. Non, peut-être pas 4 parce que si on rajoute beaucoup de choses, on va faire 10 tours de roue. Non, tu mets le rondelle comme ça. Voilà. Une, deux, comme tu veux. Allez, on continue avec la roue. Hop. Allez, s'il vous plaît. Pas de sauce. Au moins de la salade. Pas de sauce. C'est pas salade. Mayo. Ah, mayonnaise. J'avais dit pas de sauce. Pas de sauce.
Cocillon, bosse au bonne perdante. Mais non, c'est pas perdu encore, dis donc. Un maillot pour Corentin, il en met bien comme ça, ça camoufle bien les oignons, c'est ça? Ouais. Attends, je vais enlever la petite moutarde là qui est là. Hop, tout comme hier, je crois qu'on la voit pas parce qu'il y a du vert dessus. Voilà, voilà. Allez, top. On va aussi la salade. Voilà, c'est mieux, peut-être vous verrez mieux. C'est mieux, non? Ouais. On voit pas. C'est le tour numéro 2 pour Océane, hein, c'est ça? Oui, parce que là, moi je vais me mettre le maillot. Salade! Elle démarre super bien! Ah, salade, tu me passes? Ah, salade, pardon, excuse-moi. Donc, salade pour Océane, donc vas-y. Alors, désolé encore si vous voyez pas la salade, c'est normal. J'ai pas de salade! Je la mets dans l'autre pain, non? Non, le pain, tu le mets de côté, le dernier. Voilà, comme tu le mets de côté, et puis voilà. Je vais le casser un petit bout. Oui, si tu veux. Les amis, j'espère que vous y voyez mieux, regardez. On y voit vachement mieux là, non? Eh oui. Allez, c'est parti. Tour numéro 3. Attends. Bah oui. En tout moment, le plus joli, c'est celui de Serge. Oui. J'ai eu un. Là, vous vivez végétal. Vas-y. Chèvre. Voici le fromage de chef pour Corentin. Voilà, je vous montre, hein, c'est quand même du beurre bien cher. Bon, je sais pas si vous verrez, c'est vert. Forcément. Et là, là si j'ai de la salade, je suis nickel. Alors, troisième tour pour Océane. Ça va être chaud. Non, mais stop, ne mets pas de sauce. Hein, De la sauce à ça. Comme ça, c'est tout ce qu'il lui faudrait. Mais lui. Tomate. Tomate encore. Ah voilà, tu vois. Allez. Une tomate. Tomate pour Océane. Je pense que ça suffit une, non? Ouais, parce que ça fera 4. J'en vais en mettre 3. Oh, moi j'y vais. Enfin, allez, 3, quatrième tour. C'est moi qui vais gagner. Vous allez voir comme la dernière fois. Quatrième tour pour Corentin. Comme la dernière fois, Océane l'a dit. Oh, ça va, hein, j'ai déjà la steak. Non, la salade. Pas de steak. J'aurais pas de salade. Ketchup. Ketchup pour Corentin. Ça peut. Donc tiens, c'est parti. Donc vas-y. Bon, pour le moment, toi, t'as de la sauce, des oignons, du fromage. Ça va. Ça, on a pas encore de sauce. C'est plutôt un hamburger light, c'est ça? Ouais. C'est pas les hamburgers de chez McDo, hein. Ah non, là, c'est l'hamburger light, là. Oh, ça coule beaucoup. Mais attention, il coule fort, hein, le ketchup. Parce que c'est une neuve, hein, c'est moi qui l'ouvre. Ensuite, un steak de jus, ça serait mieux. Allez, vas-y. Ok, un steak, et là, c'est parfait. Et avec de la salade. S'il vous plaît, pas de sauce. Hein. Elle a pas encore mérité. Et t'as pas fait la sauce. Hein, Bacon. Yam, du bon bacon pour Océane. J'ai envie d'en manger. Non. Regarde de la place pour ce bon burger. Oh, s'il te plaît. Non. Mais Océane est en train de nous faire en fait un burger super gigantesque. Alors laisse-en parce que si tu retombes dessus, on va pas tout mettre quand même. Allez, on continue avec le tour numéro 5 pour Corentin. Ça me donne trop envie d'en manger. Ça me donne faim là, mon fromage, ils sont trop bons. Tu vas bientôt manger. Moutarde. Mais c'est quoi là, qu'est-ce que j'ai avec les sauces? Moutarde? Non, c'est pas vrai. Genre la moutarde, mais bon. Voici de la moutarde pour toi. Alors, t'es pas obligé de tout mettre, hein. Et ça va te piquer vraiment là. Ouais, je pense que c'est raisonnable. Mais ça pique pas. Non, ça pique pas. Tu veux la manger? Non. Tiens tout. Ça pique pas pour lui, mais pour moi ça pique si je tombe dessus. Ok, donc cinquième tour pour Océane. Allez, vas-y, lance un pour ta soeur. Top. Allez, s'il vous plaît, pas ça, c'est la panérité. Alors, t'as tout
tout passé. Cheddar. Cheddar, c'est quoi aussi, c'est du fromage. Donc cheddar. C'est le nickel avec le bacon. C'est normal. Cheddar, voilà, c'est celui qu'on met normalement dans les hamburgers. Yeah. Moi j'ai du sel. Voilà Louloute. Bon vas-y, tu peux le mettre dessus, je te l'ai un peu ouvert. À mon avis, tu devrais le poser à l'envers dessus, voilà, et après enlever l'emballage parce que le fromage, eh ben, il n'aime pas la chaleur. Ok, Corentin, tu peux tourner la roue pendant ça. On est au sixième. C'est ça? Oui. On n'aime pas en passer au sixième. Va. S'il vous plaît, de la sauce, je vous en prie, j'ai pas eu. De la salade. J'ai eu assez de sauce hein, pour aujourd'hui. Mais un steak, ce serait bien aussi, non? Salade! Ouais, salade pour Corentin. Tiens, mon chéri, t'as l'air heureux. Alors, salade. Ça a consolé un peu la moutarde. Oh bah alors, si tu mets des petits bouts comme ça. T'inquiète pas. Ok, tu peux tourner la roue pour Océane, comme ça on voit ce qu'il y a là. Attends, un dernier. La salade, c'est mon jour de gloire hein, pour ma salade. Comment? Depuis le temps que je l'ai tournée, ma salade et un steak, c'est bon. Là. Un steak, on aura fait le complet. Un steak. Pas de steak, s'il vous plaît, elle a pas mérité. Hein. Bacon. Encore bacon pour toi? Du bacon, c'est pas pour toi que j'en ai mis. Bacon. Du bacon pour Océane. Moi, j'ai envie d'un jeu. Non. Le compteur, il en a mangé. Non, il en a même pas mangé. Tu rêves? Espèce de tricheuse. J'ai envie d'un. Non. Ce qui est bien, c'est qu'Océane, si elle a pas le steak, elle a quand même le bacon. Eh ouais, et ça peut le remplacer. Tout à fait. Donc pour le moment, c'est elle qui gagne. Hein. Un steak. S'il vous plaît, un steak. J'ai pas eu de steak. Ça va être un mini hamburger pointé. Je vais aussi un hamburger. Le steak, il est où là? Mayo. Encore. Et deux couches de mayo pour Corentin. J'ai quoi avec la sauce? Corentin, il va avoir un burger uniquement fait de sauce et Océane a zéro sauce dessus. Donc c'est dingue, hein. La même roue, comme ça peut faire la différence, c'est dingue. Ok, on continue avec Océane pour le 7ème lancer. Vas-y, Loulou, appuie sur le bouton. Alors, s'il vous plaît, ne lui mettez pas ce qu'il faut. De la sauce. Non, pas de sauce, justement. La sauce, dégagez ça. Au moins, je fais gagner. Non, déjà, il te faut un steak, hein. Je sais pas si c'est le steak. Cheddar. Encore? Oh là. Ah non, c'est pour qui là? C'est pour Océane? Oui. Ok. Moi, je viens de mettre ma maillot. Parce que c'est dur, hein. J'ai pas envie de le casser. Pas du tout. Bah, c'est la galère un peu chez là. En plus, je vais pas le casser. Il casse vraiment pas le fondant. Concentration. Total. Au maximum. Jamais moi comme c'est facile. Ok, donc c'est parti pour le 8ème tour de roue pour un steak et j'ai gagné. C'est sûr hein. Ouais, faut un peu la tomate, mais je pense que pour le moment c'est un bigger. Steak. Salade, mais c'est pas ce qu'il manque hein, maintenant. Ouais. Les amis, vous remarquerez, c'est bon? Oui. Ok. Les amis, vous remarquerez que Corentin a un tout petit burger alors que c'est le plus grand. Et Océane a un burger assez haut quand même alors que c'est la plus petite. Hein. Vous allez voir, c'est moi qui vais avoir le steak. Ok, donc c'est parti, je peux lancer la roue pour le tour numéro 8. Tout à soeur. Allez, vas-y. Bon, t'as pris. Peut-être le steak. Non. Non. Oui. Non. Cheddar. Oh, tu l'avais pas vu celui-là. Donc un cheddar pour Corentin. C'est ça en fait. Mais t'avais dit que c'était pour moi. Ah oui.
Oui, bah t'as eu cheddar. Ah ah oh. Cheddar dessus, cheddar. Excusez-moi les amis, je me suis trompée, oui, le cheddar est pour... Elle va encore avoir du cheddar. Océane, donc elle va encore avoir du cheddar. Donc vas-y, pose-le. Je peux le manger du coup. Oui, tu peux manger si tu veux. Donc oui, je crois que c'était pour Corentin, mais Océane a une troisième tranche de cheddar. Et bah si ça, ça c'est pas... Mais elle les empilait les unes sur les autres. Les tranches. Ok, bon, tu peux lancer la roue pour toi, loulou. On est au tout coup numéro 9. Un steak s'il vous plaît, on est qu'au tour numéro 9, allez, j'en fais riche. Un steak, un steak, un steak, un steak, un steak, pas steak, pas steak, pas steak. Là c'est pas sûr, peut-être le steak et je le sens arriver. Tomate. J'adore la déception de Corentin. Tomate. C'est bon? Et on va... Ça tique. C'est tout? Ok. Oh, gourmande, dis donc! Allez, allez, t'appuies! Allez, appuie! Tape! Ah, bah, c'est ah, steak! Ah, steak! Non, pas steak, pas steak! Avec tous les comme du tien, c'est Anne! Pas de steak. Pas de sauce, hein, surtout. Non, mais c'est pas. Mettez-lui encore du cheddar! Cheddar, cheddar! Mais c'est pas du cheddar, le... Chèvre! Chèvre! Oh! Les codes des fromages! Je m'en tape des fromages! Des fromages, des fromages! Mais qu'est-ce que t'as avec les fromages? Mon dieu, mon dieu! Tac, 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 tac! Un hamburger! Fromage! Devrait le sortir chez McDo! Voilà, Louloute, pour ton quadruple cheese, en fait! Quatre tranches. Elle va en mettre 3 les unes sur les autres. Oh, c'est un adieu du fromage. Et je croyais que t'aimais le fromage. Ouais. Bah voilà, c'est fait. Parce qu'il faut savoir qu'Océane, elle mange du fromage champagne comme ça. À tout moment de la journée, elle a. Oh, j'ai même pas cassé. Wow, attends, maman qui a cassé. Attends, maman qui a cassé. Tu peux le mettre avec les autres. Tu pourras faire une collection d'emballage de fromage. Allez, loulou, c'est le dernier tour. Un steak, un steak, un pas steak. Steak. Pas steak, pas steak. Moi ouais, je risque d'avoir. Soit de la sauce, mais moutarde, mais c'est pas vrai. Oh mon chéri. Allez, ah ouais, c'est un ton dixième tour. Peut-être ce sera avec toi. Non. Alors passe la sauce. S'il vous plaît, mettez-lui juste du barbe du pâte de sauce. Il est pas prêt d'arriver ton steak. Cheddar. Encore non, c'est pas possible. Si, c'est cheddar. C'est pas possible. Au début, elle est tellement bien partie, bah après. 5. Elle en a mis 4 les uns sur les autres, quoi. 5 fromages pour Océane. Elle va en mettre 4. Mais je crois que c'est un record mondial du fromage. Les loulous, je crois que je vais vous accorder un tour bonus parce que vous n'avez pas de steak. Corentin, je trouve que son hamburger est très ridicule en fait, sans steak. Donc ben, je vous accorde de relancer la roue une dernière fois. Attends avant de lancer la roue. Si vous avez un steak, vous le mettez dans le burger. Si vous n'avez pas de steak, vous ne mettez pas dans le burger. D'accord ? Parce que Yann, si elle a un sixième fromage, je crois que ça peut faire trop de fromage en fait, du fromage. Donc voilà. Donc moi je vous donne un dernier tour pour essayer de voir le steak. Si vous l'avez pas, ben tant pis, c'est pas grave. D'accord ? Allez, c'est parti loulou, tu peux lancer la roue. J'ai peur pour moi là. Mais j'ai pas fait. Mayo. Oh ben voilà. Que de la sauce pour Corentin. Bah tu mets pas la mayo mais tu peux fermer ton burger. Désolé loulou. Tu peux lancer la roue pour ta soeur, savoir si elle a un steak. Bon burger à la sauce. Ouais, et à Océane, vas-y. Mais pas moi, c'est l'hamburger du Macor. Ok. Non c'est moi l'hamburger du Macor. Oh toi t'as un peu qu'un tout petit. Hein. Non j'ai le veggie. Oui, t'as fait. Cheddar. Bon, heureusement que tu mets pas dedans. Ça fait plaisir.
Tu peux fermer ton burger, louloute. Personne n'a eu le steak. Mais moi, je trouve que celui d'Océane, quoique, j'aimerais pas manger un hamburger avec autant de fromage. Quoi, t'aimes le fromage, toi? Alors, on y va. Mais je veux un steak. Et ben non, la machine, elle a parlé d'elle-même. Donc, les loulous, vous pouvez montrer un peu vos burgers aux copains. On les montre, mais après, on fait quoi? C'est pas un burger, ça. Après, on en fait quoi? On mange. Les loulous, bravo pour ce challenge, il a été relevé. Bon, alors bah dites-nous dans les commentaires qui a gagné. Parce que là, pour le moment, bah, personne n'a le burger, donc il n'est pas complet, votre hamburger. Océane a énormément de fromage, Corentin a énormément de sauce. Donc voilà, vous êtes plutôt team sauce ou team fromage? Bah dites-nous tout dans les commentaires. Moi, je trouve que celui d'Océane, il ressemble un peu plus à un burger que celui de Corentin. Oh, ça va, mais bon. Là, on va passer à la dégustation. Donc vas-y, loulou. Oh, il n'a pas de sauce, steak. Alors, comment c'est un burger sans pain? Sans pain. J'ai croqué que le pain. Franchement, il est trop bon. Il est trop mais bon. On sent trop le cheddar. Ah bah, tu m'étonnes. Est-ce que ce petit challenge vous a plu? Oui. Mais vraiment, ça vous a plu? Oui. Même si vous n'avez pas mangé le steak? Oui. Oh, le oui était un peu moins. Les amis, j'espère que ça vous a plu autant qu'à Corentin et Océane. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Aussi, désolé si vous n'avez pas vu la salade, bouchon, du ketchup, voilà ce qui était vert sur la table. Mais on voulait vraiment intégrer la roue derrière pour que vous puissiez mieux voir. En fait, c'était voilà. Donc, on n'est pas des professionnels non plus. On s'amuse sur YouTube, c'est tout. On s'amuse et puis on fait notre passion. Donc, les amis, dites-nous si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre plein de pouces vers le haut. Et puis aussi, bah, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Aussi, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification parce que YouTube en trouve des abonnés des gens. Et comme ça, avec la cloche, vous recevez toutes. Nos notifications. C'est-à-dire que quand on sort une vidéo, en fait, et ben vous le savez, votre téléphone il sonne ou la tablette et ting, il dit voilà, Corentin et Océane, ils ont sorti une vidéo. Ben sur ce, nous on va vous laisser. Les steaks ne seront pas gâchés parce qu'on va quand même les manger. Et puis ben, en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao, ciao. Bisous les amis. Moi je préfère d'avoir mon steak.